Coucou tout le monde. On est quel jour? Mardi. Il est 2h au matin. Tu connais plus mercredi. Je suis en train de faire mes glaces à 2h du matin. Faut pas que je me trompe. Il est jaune, ouais. J'ai déjà fini, ça y est, je vous ai filmé. J'ai déjà fini la fraise. La Nutella. Et là, je suis en train de faire la vanille. Donc, la vanille, c'est la plus longue à faire, mais c'est pas grave. Au moins, demain soir, on aura des bonnes glaces maison. Donc, voilà. Bon, la vanille, ce qui est plus long, c'est à laisser refroidir. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vous ai pas pris pour la journée, les amis. Ce matin, ben. Du ménage vite fait, quoi. Rapidos, parce que ben, je me suis levée quand même à 10h je crois. Donc un petit peu de ménage vite fait, mais sinon je me suis occupée des filles, j'ai déjeuné, j'ai bu mon café, bref. On a débarrassé un petit peu. Et ensuite, en fait, on a été chez ma copine, là, Nini. Et en fait, elle nous a donné des choses. Maman. Quoi? Je suis en vlog, chérie. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ouais, du coup, je vous disais, du coup, on a été chez Nini et tout. Elle nous a donné des choses. Je vais certainement vous les faire montrer après. Je dois mettre le sirop de canne, une cuillère à soupe. Et puis, on a été regarder, en fait, elle l'a mis devant chez moi, en fait, les dons. Et après, on a été regarder parce qu'elle avait des vêtements à donner. Donc, on a pris des vêtements. Voilà. Je vais nettoyer mon corps de travail après. Et je dois mettre quoi? Le sucre. Là, c'est les jaunes d'œufs, le sirop de canne et le sucre. Puis fouetter. Okay. Et puis, du coup, après, ben, on a mangé. Non, on avait mangé avant d'aller chez Nini. Et après, on est parti chez Christophe, il est rentré du boulot. Et on est parti chez ma mère, en fait. Et du coup, on est resté chez ma mère un moment quand même. Jusqu'à 5h. Ouais, je crois. Et ensuite, bah, du coup, on est rentré. Mon frère, mon petit frère, il m'a demandé pour dormir à la maison. Comme ça, il allait aller dans la piscine avec les enfants. Du coup, je lui ai dit, bah oui, du coup, il a préparé son sac. Il est venu. On est rentré. Je suis partie à l'hôtel avec Camille et Christophe. Et mon frère a gardé Mel parce que Mathieu était parti au McDo avec son copain. Bon, Alex il est trop jeune quand même, quoi. Donc mon frère il est resté avec Alex et Mel. Et du coup, en fait, on ne savait pas quoi manger. Du coup, on a acheté que du pain avec du fromage, enfin du pâté et tout. On a mangé ça. De toute façon, il faisait tellement chaud aujourd'hui. Et ensuite. Bah après, quand on est revenu, du coup, les enfants, enfin, ils ont été dans la piscine, je passe de 18h30 à 19h30. Et on a mangé, ils ont digéré, pas trop longtemps. Ils sont retournés dans la piscine jusqu'à 21h. Et moi, du coup, j'ai fait le grand ménage, mais grand ménage, grand ménage. Et après, quand ils sont sortis de la piscine, du coup, ils m'ont donné un coup de main à finir. Donc, j'avais déjà fait tout le salon complet, nettoyer les canapés, aspirer, laver, ranger, enfin voilà. J'avais fait la vaisselle et tout, et donc ils m'ont aidé. Ma mère, elle a aspiré le salon et salle à manger. Mon frère, il a aidé à monter les affaires avec Camille et aller remettre la bâche de la piscine. Camille, elle a lavé les escaliers, nettoyé les escaliers, les couloirs, escaliers. Puis après, moi, j'ai fini de laver cuisine et salle à manger. Donc tout y est nickel, j'ai lavé la salle de bain, toilette, j'ai nettoyé le toilette, enfin voilà, hein. Tout y est nickel. Et ensuite, ben Mathieu, en fait, il était retourné à McDo avec une autre personne. Et du coup, il nous a ramené une glace. Donc on a mangé une glace, on a joué à Monopoly Deal avec ben, moi, Camille, Mel et mon frère. Et puis là, mon frère s'est endormi dans le canapé, Camille est montée, Amel elle est encore là, mais elle va monter aussi. C'est heureusement que c'est vacances. Et moi, du coup, je suis en train de faire mes glaces à 2h du matin. Voilà. Ayol est en train de pleurer en haut, je pense qu'elle veut aller avec Camille, mais
Il fait tellement chaud comme elle dort le Deluxe ouvert, donc elle ne la laissera pas rentrer. Du coup, je vais juste vous faire voir après, c'est ce que j'ai récupéré à Nini. Oh, il y a des choses, c'est peut-être pas pour moi. Ah non, je peux pas vous montrer. Ah si, je peux vous montrer, elle l'a laissé, je crois. Et j'ai reçu des cartes, donc je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Du coup, on va continuer la recette. Hein. Ajouter la crème, le lait et la gousse dans la casserole. Donc, la crème, comme ça, c'est ma dernière glace. Donc après, je pourrais faire ma petite vaisselle et il n'y aura pas de bordel. J'espère juste, c'est que les filles ne vont pas faire pipi dans la maison. Parce que ils avaient fait ce matin. Et là, tout à l'heure, elles ont enfin, Elsa s'est refait pipi dessus et tout. Vous avez vu, hein, je les ai lavées. J'ai lavé Elsa parce qu'elle s'est fait pipi dessus. Et du coup, j'ai lavé Daisy, j'ai profité. Parce que elle était sale. Et puis au moins, ça lui a fait du bien. Quoi. Voilà. Voilà. J'étais là, je la laverai. Peut-être demain, on verra. Du coup, j'ai mis la crème. La crème et le lait entier. Il me reste à mettre la gousse de vanille. Et après, je dois faire chauffer en remuant. Entre 74 et 79, retirer, mettez dans un pot vide, placez le pot dans un bain glacé et une fois refroidi au congélateur. Donc on va faire ça, c'est parti. Je vais mettre mes blancs d'œufs au frigo. Voilà, voilà les amis. Bon, là du coup j'utilise la dernière gousse de vanille de coco. Il y en avait trois dedans, mais après j'ai encore une autre. Elle nous avait offert deux trucs comme ça. Je sais pas combien il y en a dans l'autre. C'est trop bon, vraiment. Vous pensez que je pourrais mettre la gousse de vanille, parce que vous m'avez conseillé de mettre la gousse de vanille avec du sucre pour faire du sucre vanillé. Je pourrais remplir ça de... Non, ça fait pas beaucoup. Je vais mettre dans un tupperware. Ce que j'allais dire, je vais mettre le sucre là avec la gousse de vanille dedans, mais ça fait pas beaucoup. Je sais pas. Parce qu'il y en a qui m'ont dit 1 kg de vanille, mais c'est 1 kg de sucre, mais c'est beaucoup. Je vais mettre juste dans un tupperware, mais je vais pas. Là, c'est pas assez, mais je vais pas mettre 1 kg non plus. Voilà. Bon, je vais ouvrir ma gousse de vanille. Voyez, elle va pleurer jusqu'à temps que Camille lui ouvre. Sinon, je vais devoir la faire dormir avec Alex ou avec moi, parce que Alex, déjà, il n'ouvre pas sa fenêtre. Il doit avoir chaud, mais il n'ouvre pas sa fenêtre. Et moi, ma fenêtre, elle est ouverte, mais logiquement, ils ne vont pas y aller, quoi. Logiquement. Voilà, les amis. Là, du coup, bah, en fait, j'ai mis quand même le live vente à ma mère, mais de toute façon, je savais ce qu'elle allait vendre. C'est ce qui lui est resté. Je suis pure, c'est la lumière. Mais j'ai pas trop suivi du coup, parce que comme je faisais beaucoup de ménage, j'ai pas trop suivi. Bon, je vais regarder. Attendez. Parce que j'ai pas coup surchauffé, ça commence à chauffer. Je vais éteindre, je finis ma glace et le temps qu'elle refroidit, je vous montre ce que j'ai pris à Nini en don. Et les cartes. Et je vais faire mon sucre vanillé et puis je vous finirai le vlog. J'ai fait le sucre glace. Le sucre vanillé. Là, la vanille, elle trempe dans l'eau froide. Elle refroidit avant que je le mette au congèle. Et j'ai fait la vaisselle. Il est 2h55. Du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai récupéré en dos. Oh, qu'est-ce que tu es belle, toi. Alors, elle nous a donné
Vous savez les jeux là, je sais pas comment ça s'appelle, avec les trucs en bois comme ça là. Comme le jeu de quilles, hein. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on récupère un jeu comme ça pour Alexis. Ah, pour Alexis. Pour tout le monde. Il y a deux petits jouets pour Stella qu'il faut pouet-pouet, mais je vais pas le faire maintenant. Un grand biberon pour Princesse. Il faut juste un truc pour le tenir. Mais du coup, il est bien grand, c'est bien. Un pistolet à balles. Vous avez tous les petites balles en mousse, c'est pour les chats. Là, là, ouais. Un reste de ballon que j'ai pris. Là, c'est toutes les petites balles pour le pistolet, pour les chats. Elles sont trop belles. Les multicolores et tout. Et après, il y avait trois cahiers comme ça. Ça peut toujours servir, les cahiers. Et puis c'est tout, je crois. Enfin, après, normalement, elle devait donner une peluche à Mel, mais elle s'est trompée. Elle a mis un petit. Elle a mis un petit bourriquet comme ça, là. Mais de base, c'était pas ça. C'était une peluche en forme de cœur. Et après, il y a un énorme tableau. Alors, ça, je vous le montrerai si je l'accroche quelque part, parce que je sais pas où je vais le mettre. Je l'ai pris, mais je sais pas où je vais le mettre. Du coup, je vous le montrerai, mais voilà. Du coup, je vous avais pas montré hier, j'ai reçu une trop belle carte Argelès plage. Regardez, elle est magnifique. De la part de mamie Isa Anderson. Donc, elle a écrit coucou la petite famille, un petit coucou de nos vacances au soleil, avec des endroits magnifiques à découvrir et au programme Pariente a gogo. Piscine et plage à gogo et surtout barbecue à gogo. Gros bisous, Marie Isa Anderson. Et trop trop belle, merci beaucoup. Je lui ai envoyé un message. Et du coup, aujourd'hui, j'ai reçu une carte comme ça de la part de Guigui et CC. Elle est trop belle, la tour Eiffel. Kikou la famille en folie, je vous envoie cette petite carte en espérant ça vous fera plaisir. Souvenir de Paris avec ce monument historique qui est la tour Eiffel. Gros bisous à toute la famille et un très gros câlin aux animaux Guigui. Et coucou la famille en folie, j'espère que vous allez tous bien. Une petite carte pour vous faire plaisir. Gros bisous à tous et aux minous, aux toutous et lapin Cécile. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. J'ai deux belles cartes du coup en plus à ranger avec toutes mes anciennes cartes. Voilà. Bon, maintenant ce qui est plus long, ouais, c'est attendre que ça refroidit, mais j'espère que ça va vite refroidir parce que là il va être 3h. Je voulais mettre un réveil quand même vers 10h, mais en fait c'est plus pour les mémères, sinon il risque de faire pipi dans la maison. Mais je vais pas encore dormir beaucoup en fait, donc je sais pas. Mais je pense que je vais quand même faire sonner un réveil, hein, parce que sinon je vais me lever à midi, je le sens. Il pleut averse les amis. Je pense qu'il a fait trop chaud. On dirait même que limite c'est des grêles. Et il y a de l'orage et tout. Ça pète. On a vu à la porte là, on voyait bien les éclairs et tout. Mais là il pleut averse. En fait, ils avaient pas annoncé de pluie pour ce soir. Et tout à l'heure, mon frère, il était joué avec Mel. Et du coup, ils sont rentrés. Ils ont dit, on a reçu 2-3 gouttes. Du coup, ben, je venais tout finir le ménage. Donc, il y avait encore du linge dehors. Du coup, j'ai tout rentré. Et on a bien fait. Parce que, vu le temps, parce que j'avais les coussins des filles dehors qui séchaient. J'avais mes serviettes qui séchaient. Après, ils avaient mis leur maillot de bain. Donc, ça, ben, c'est à relaver de toute façon. Mais heureusement que j'ai rentré le linge, quoi, du coup. Et heureusement qu'ils avaient remis la bâche. Voilà, les amis. Bon, je vous ai vraiment pas pris beaucoup, je crois. Mais, ouais. C'était plus du ménage, de toute façon. Donc, c'est pas très grave. C'est pas très, très grave. Ça fait du bien. Ça met de la maison toute nickel. J'espère qu'ils vont pas faire des bêtises
cette nuit, enfin, surtout des pipis de la part de ma mère. Voilà. Je vais peut-être fermer la... En fait, je voulais fermer la porte là-bas pour éviter des pipis partout dans la maison parce qu'elles sont dans le salon. Puis au moins, les chats, ils vont pas toucher à Chloé et tout dans la nuit. Donc je pense que je vais quand même fermer la porte. De toute façon, le... Kenmo et Sun dorment sur ma table de salle à manger. Mais bon, j'aurais peur qu'il fasse des bêtises. Tout à l'heure, Kenmo est parti. Sun est parti sur l'étagère à Chloé. Et... ça, je veux pas. Parce que s'ils font tomber tout, bah, que ce soit Chloé, que ce soit les anges, que ce soit les statuettes que Coco elle lui a offert, que. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie qu'elle casse quelque chose. Donc, je vais peut-être fermer la porte quand même. Après, j'espère que ma mère ne va pas du coup faire pipi partout dans le salon. Après, au pire, j'aurais que le salon à. À bien renettoyer, on va dire, quoi. Plutôt que toute la maison. Parce que si je laisse tout ouvert, ils vont faire pipi partout, je le sens. Mimi, elle doit être cachée encore. Je pense qu'elle a peur. Je sais pas, elle a dû avoir peur tout à l'heure de quelque chose. Elle s'était cachée en dessous du meuble. Après, elle est retournée manger et après, elle est retournée en dessous du meuble. À moins qu'elle est ici. Non. Elle doit être cachée en dessous du meuble de cuisine. Voilà, voilà. Sinon, rien de nouveau. Dire qu'il est 3h, je suis pas encore couchée. Et Chouchou, il se lève dans 1h30. En fait, le temps que je m'endors, il va rester une demi-heure à dormir à Christophe. Super. Hein. Du coup, hier, j'ai débranché la machine que Sena faisait des bêtises pour les moustiques et tout, mais du coup, je l'ai pas rebranché. Mais comme elle retourne à chaque fois dessus, du coup, je l'ai pas rebranché. Tout à l'heure, elle retournait dessus, pourtant je l'avais pas rebranchée. J'ai dit file de là. Ça va, elle n'est pas restée trop accrochée dessus. Mais déjà, elle pourrait finir par se bloquer les pattes et rester coincée. Bon, j'ai pas exporté les vidéos pour. Ouh, il y a des éclairs. J'ai pas exporté les vidéos pour le vlog de demain. Donc, j'ai pas fait de montage. Donc là, j'ai plus de vidéos de programmer. Mais honnêtement, je ne ferai pas ça ce soir. On verra ça demain matin. Après, demain, je risque pas de vous prendre beaucoup. Plus en bleu aussi, je pense. On entend l'orage. Parce que... Bah, déjà, tout le plus gros du ménage est fait. Demain, je crois qu'ils annoncent encore... Ils annoncent de la pluie aussi. Et puis, bah, y a mon frère à la maison. Donc, je ne vais pas vous filmer beaucoup demain, je pense. Demain, je pense qu'on va aller faire un drive. On a juste été chercher pour manger ce soir, mais puis des boissons. Mais demain, on va faire un drive et j'ai repris à manger à Princesse parce que bah à Princesse. J'ai repris à manger au poisson parce que ça, il n'y en a pas en drive. Et pour Princesse, je lui ai juste repris une courgette pour aujourd'hui et demain parce que c'est pareil, il n'y a pas la menthe, enfin pas la menthe, le persil. Comme dans le drive, il n'y avait pas dans le magasin, c'est chiant. Par contre, les gens, ils m'ont énervé dans le magasin, je vous jure. Il y avait quand même du monde. Et les gens, en fait... Alors, il y a une dame, elle arrivait derrière moi avec son caddie. J'étais en train de regarder les fromages. Elle était derrière moi comme ça avec son caddie. Puis elle me regardait, mais en mode vénère. Et puis elle attendait, mais elle me regardait, mais limite de travers. Elle ne peut pas dire pardon. Du coup, je me suis poussée. Un petit peu, je me suis décalée. Puis je vois, je me retourne, elle est encore comme ça derrière moi, vénère. Je dis, elle se fout de moi. Je me décale. Madame, elle voulait aller dans les mêmes fromages que moi. Mais pourquoi elle me dit pas pardon? Bah, je sais pas. Du coup, et chaque sauf les gens sont en train de m'énerver. Donc, du coup, je suis partie voir ailleurs et je suis retournée au fromage après. Elle me dit, t'énerve pas. Je dis, si, là, les gens, ils me saoulent, en fait. Voilà. Les gens, ils disent pas pardon, mais ils attendent comme ça que leur caddie, ou limite, ils vous poussent. Bah, je sais pas. Ils sont aigris les gens, on leur a pas appris la politesse et puis c'est pas dur de dire pardon. Ou... Non, non, elle me fixait avec son caddie et en mode méchant, c'est grave quoi. Bah, je sais pas, moi je dis pardon, c'est pas... ça va pas la bouffer en fait de dire pardon. Enfin bref. Alors il y avait du monde, j'ai pas compris parce que par contre il y avait du monde dans le magasin quand même. Ou alors ils étaient tous dans le même rayon. Mais à la caisse il y avait personne. Il y avait des caisses, bah ils étaient beaucoup de caissières quand même. Mais il y avait plein de caisses qui étaient vides. Donc on est passé direct, donc tant mieux.
Mais franchement, vous achetez 3-4 bricoles. Rien que là, j'en ai eu pour, je crois, 54 euros. J'ai pris du manger pour princesse. Du manger pour poisson. Une courgette pour princesse. On a pris des jeunettes. Christophe s'est pris une baguette tradition, je crois, ou je sais plus, enfin bref. On a acheté 2 camemberts, un ovale crème, un paquet de jambon, un paquet de blanc poulet, une mousse de foie. Chouy s'est pris du crottin de chèvre. Et après, on a pris un pack de Pepsi, un pack de cola. Et il a pris 4 paquets de Pimps. Je crois que c'est tout. 54 euros. C'est comme ça. Hein. Tout y est cher maintenant, de toute façon. Bon, allez, je vais ranger. Ben, je vais montrer mes cartes d'ailleurs. Je vais les ranger dans ma boîte. Et je vais même prendre l'enveloppe à Guigui. Comme ça, il y a l'adresse dessus. Au moins, si moi, un jour, je veux leur envoyer une carte aussi. Ou après, une carte, je ne vais pas envoyer une carte de ma ville. Mais. J'aurai l'adresse au cas où. Ça claque bien. Hein. On voit les éclairs et tout à chaque fois. Puis on entend fort. Je vais voir si ma glace elle est refroidie pour la mettre au congélateur parce que là, je vous avoue, j'ai envie d'aller me coucher. Ouais. En tout cas, ça va, ils ont bien profité de la piscine aujourd'hui. Ils sont restés 2 heures. En tout aujourd'hui, 2 heures, 2 heures et demie. Super. Parce que demain, je pense qu'ils pourront pas y aller. Et après demain non plus, parce qu'il pleut aussi. Là, ils pourront plus y aller en vendredi, je crois. Je crois. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. 12 minutes que je parle. Et on se retrouve peut-être demain. Enfin, peut-être. Pour vous, c'est sûr, mais pour moi, je suis pas sûre.